Donc, dans votre dernier ouvrage, vous rendez un hommage au maître du fantastique. Lequel ou lesquels ont le plus influencé votre œuvre? So, in your last book, you pay tribute to the masters of fantastic genre. Which author has is the most influential for you? For that book, Ray Bradbury. He's the king of Halloween. And I knew when I wanted to write a ghost story on Halloween, it would have to have some of Bradbury's lyricism and his love for small-town America. Donc, quand j'ai, pour ce livre-là, quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai su que c'était Ray Bradbury. C'est le roi de Halloween, et je voulais écrire une histoire de fantômes, et avec le lyricisme de Ray Bradbury, et tout ce qu'il aime dans l'Amérique, les petits endroits d'Amérique. La vie de la banlieue américaine, du rêve américain, sont malmenées dans votre livre. Pourquoi y avoir campé le décor de cette intrigue? Life in American ghettos or neighborhoods, and the view of the American dream are badly treated in your book. Why did you choose to set the story in those places, in neighborhoods? This must be for everyday people, I think, in one of the poorer neighborhoods of a sort of a dying industrial city. It seemed to me a story that I hadn't seen written much in fiction, and I wanted to write a neighborhood story, and so naturally I chose this neighborhood in Pittsburgh, my hometown, that I thought was very interesting. And the further that I got into it, the more interesting people that I met, and it just seemed sort of a natural to me. Coming from Pittsburgh, I have a different view of the American dream. And the American dream in Pittsburgh has been sort of gone now since I was a teenager. So it just seemed natural to reflect that. Donc pourquoi avoir choisi les banlieues? Parce qu'on y voit des gens de tous les jours, des gens pauvres qui habitent des villes industrielles qui dépérissent. Et donc j'ai voulu écrire mon histoire de fiction dans ces quartiers-là. Et je viens de Pittsburgh, donc logiquement j'ai écrit mon histoire à partir de là. Et le plus j'étais intéressée, je me suis mis à être intéressée par ces gens, et le plus de gens que j'ai rencontrés. Et depuis que je suis petite à Pittsburgh, j'ai une vision du rêve américain qui est très différente. Et le rêve américain est parti depuis bien longtemps, depuis que je suis adolescent, pardon. Et c'est naturellement que je voulais refléter ceci dans mon livre. Et les auteurs français de la littérature fantastique ou du cinéma fantastique français, vous en connaissez, vous en appréciez? What about French authors and French writers or movie directors in fantastic genre, French fantastic genre? Do you know them? Do you like them? Writers, movie makers? Would Godard be fantastic? Est-ce que Godard serait considéré comme fantastique? In some of his sort of his wilder works in the 60s, non. Something like Weekend. He's grotesque, certainly. But people like Clouzot, Chabrol, maybe more the suspense directors, I think, rather than sort of the more fantastic. Peut-être Godard, dans Weekend, par exemple, dans les choses qu'il a fait dans les années 60, pourrait être considéré comme quelqu'un de fantastique. Il est certainement grotesque, en tout cas. Peut-être que Clouzot ou Chabrol aussi peuvent être classés comme ça. En tout cas, c'est le suspense, c'est des réalisateurs de films à suspense. Et Boris Vian, vous connaissez un petit peu? And do you know Boris Vian? No, no. Sadly, no. Malheureusement, non. D'accord. Récemment, Charlotte Gainsbourg a été primée à Cannes pour le film L'Antichrist de Lars von Trier. Et on parle soit de couper des scènes, soit de remonter le film. D'ailleurs, le réalisateur, dans ce cas-là, refuserait de le signer pour les États-Unis.
en raison de scènes jugées trop choquantes, soit par leur violence, soit par le sexe. Que pensez-vous de cette pratique de censurer en quelque sorte un film au public américain? N'est-il pas adulte, le public américain? Pas assez adulte? Lately, Charlotte Gainsbourg was awarded in Cannes for the film by Lars von Trier. But people want to cut some scenes and make the movie again for the American audience because of shocking scenes and violence and sex. Do you think why is there this censorship for American audience? Isn't it adult? Yeah, I don't understand why that is so. They did that also with Eyes Wide Shut for Kubrick. They got rid of some of the more explicit sex from sort of the mansion scenes. I don't quite understand it. I mean, the crowd that wants to go see this film wants to see it the way the director, you know, always wanted it. So I don't understand why they do that. But I think film companies and film distributors are very... they always seem to know what's best, and they want to sell as much of their product as possible, but they're usually wrong. Sorry, making your life a nightmare. That's your stuff, isn't it? Je comprends pas vraiment. Ils ont fait la même chose pour le film de Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut. Ils ont coupé des scènes explicitement sexuelles. Alors que le public, les gens veulent voir ça. Et dans les compagnies de films et les distributeurs de films, on a l'impression que c'est eux qui savent ce qu'il y a de mieux, alors qu'en fait, ils ne pensent qu'aux produits, et je pense qu'ils ont tort. Je vous remercie de nous avoir accordé cet entretien pour un blog français. Merci.